Frères et sœurs, la paix soit avec vous. En ce lundi 3 octobre, vigile de la fête de notre patron Saint François, c'est dans la joie que nous allons chanter les merveilles que notre Dieu a accomplies dans la vie de son humble serviteur. François d'Assise, figure incontournable de l'Église, est un modèle de perfection pour qui veut suivre et servir le Seigneur de tout son cœur. C'est bien en son honneur que le pape actuel a pris le nom de François. On le voit très bien par les titres de ses encycliques « Fratelli tutti » et « Laudato si » qui est inspiré du cantique du Frère Soleil composé par saint François. Chers amis, laissons-nous inspirer par cet humble serviteur à la vigne du Seigneur et soyons-nous aussi des artisans de paix dans notre milieu et avec tous ceux et celles que nous rencontrons. Avec saint François, louons ensemble le Seigneur. Créateur, très haut, très court.
ventre saint, tout mon être. Vigne Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car lui pardonne toutes tes offenses, il te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe. Il te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne me tient pas sans fin ses reproches. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent et de toujours à toujours. Et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui jadis n'étiez pas un peuple, et qui êtes maintenant le peuple de Dieu, qui n'obteniez pas miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Très cher, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des nations une belle conduite, afin que sur le point même où ils vous calomnient comme malfaiteurs, la vue de vos bonnes œuvres les amène à glorifier Dieu au jour de sa visite.
portion le pardon. Dieu notre Père, par ta seule grâce, tu as fait parvenir jusqu'à toi, très haut, ton serviteur François. Avec lui, nous te prions. Après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu as converti François par la rencontre du crucifié. Donne-nous de découvrir tout ce que ton Fils a fait et souffert pour nous. Seigneur, exauce-nous. François a tout donné joyeusement pour n'avoir d'autre trésor que toi. Donne à tous les baptisés de mettre en toi leur confiance et leur espoir. Seigneur, exauce-nous. François savait discerner en tout un reflet de ta tendresse. Donne-nous un regard assez limpide pour découvrir ta présence dans les créatures et les événements. Seigneur, exauce-nous. Dans la lumière du soir, François, crucifié avec le Christ, alla en chantant à la rencontre de sa sœur la mort. Donne-nous, quand notre dernière heure sera venue, de passer sereinement de ce monde à ton royaume. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos intentions par l'intercession de Saint François d'Assise, notre saint patron. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Seigneur Dieu, tu as donné à saint François d'Assise d'être configuré au Christ pauvre et humble. Accorde-nous la force d'emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et pour vivre unis à toi dans une joyeuse charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur, tout amour et toute bonté, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint François d'Assise, priez pour nous. Saint Padre Pio, priez pour nous. De la mort subite et imprévue, délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Trésor de tendresse, sourire des cieux.